c'est genre l'un des best petits-déj. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle journée dans mon assiette. Donc, je suis très très contente de faire cette vidéo et de voir que ça vous plaît en plus de ça. Étant donné que j'ai eu de très très bons retours sous ma précédente vidéo journée dans mon assiette. Aujourd'hui, je vais vous partager tous les macros que je consomme dans la journée, donc les calories, etc. Petit disclaimer quand même, je ne compte pas mes calories genre tous les jours au gramme près, pas du tout. Mais ça m'aide quand je veux perdre du gras tout simplement. Sachant que j'ai une relation qui est très saine avec la nourriture, donc ça me pose pas du tout de soucis de compter mes calories ou quoi que ce soit. Mais voilà, encore une fois, c'est très personnel, ce n'est pas quelque chose que je recommande forcément, surtout si vous avez eu des TCA ou que vous n'avez pas une relation qui est 100% saine avec la nourriture. Voilà, mais ce n'est pas mon cas. Donc aujourd'hui je vais partager ça avec vous. À noter, ne pas reproduire exactement ce que je fais, ça ne vous mènera à rien du tout, étant donné que chacun est différent, chaque corps est différent, selon les modes de vie, plein de trucs, bref, plein de facteurs. Je ne vais pas revenir sur le sujet parce que je le dis très souvent sur ma chaîne. On va dire que c'est l'épisode 2 de ma sèche. Et puis voilà, pour l'instant tout se passe très bien. Je vous mets d'ailleurs sur l'écran un petit body update, tout ça, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas fait du tout lors de ma dernière vidéo. Comme ça, voilà, ça va permettre de comparer ce body update au prochain. En tout cas, ça se passe très bien, mes entraînements se passent très bien, je tiens tous mes entraînements. Et je n'ai pas du tout faim, vous allez voir de toute façon que ma journée reste très... mes plats restent très copieux, ma journée est très gourmande. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, vous me connaissez. J'arrête de blablater et c'est parti pour la vidéo. There's a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Take me back where I belong. I want it all. Repas très très simple, très rapide à préparer. Franchement, j'ai pas fait la recette en entier. D'habitude, genre, je mets des champignons, des tomates cerises, et c'est un peu plus élaboré. Mais là, je suis en plein boulot, donc voilà. En général, franchement, le midi, je me fais un truc super rapide à faire. Donc là, c'est juste du tofu que j'émiette avec plein d'épices. Ça fait un espèce de tofu brouillé et des toasts d'avocat, évidemment, parce que qui n'aime pas les toasts d'avocat. Je vais manger ça, je continue de bosser et je vous retrouve pour le dîner de ce soir. Du coup. Et donc pour le repas du soir, j'ai décidé de me faire mon repas préféré, enfin l'un de mes repas préférés, qui n'est autre que de la bolognaise vegan, bien évidemment. Donc c'est fait à base de protéines de soja texturées, super simple, je fais juste revenir des oignons et des champignons dans une poêle avec un peu d'ail.
Je rajoute les protéines de soja texturées que j'ai fait tremper au préalable dans de l'eau bouillante avec du bouillon de légumes pendant environ 10-15 minutes. Et ensuite, je rajoute sauce tomate, épices, basilic. Et voilà, je fais revenir tout ça à la poêle pendant environ 15-20 minutes grand maximum. Et c'est prêt, je sers avec des pâtes. Et voilà, vous avez un dîner juste parfait. Bon, du coup, je vous retrouve pour vous faire le bilan de cette journée. Donc là, j'ai tous mes macros. J'ai tout enregistré sur ma Fitnesspal. Donc si vous ne connaissez pas, c'est une application pour calculer vos calories, vos macros, etc. Moi, c'est ce que j'utilise depuis le début. Enfin, genre quand je calculais mes macros il y a quelques années maintenant. J'utilisais tout le temps cette application. Donc j'ai l'habitude de faire avec cette application. Après, je sais qu'il y en a plusieurs. Donc voilà. Mais moi, j'utilise celle-là. On commence avec le petit déjeuner. Donc 445 calories. Je vous mets quelque part sur l'écran. Attendez, je pense que je vais me décaler. Donc d'abord, le petit-déj, on est à 445 calories, 50 g de glucides, 12 g de lipides et 32 g de protéines. Donc voilà, franchement, c'est genre l'un des best petits-déj. Je vous recommande très fortement parce que déjà, c'est pas super haut en calories et ça cale de ouf et c'est super bon. Ensuite, le déjeuner, là, je suis à 558 calories, 55 g de glucides, 27 g de lipides et 28 g de protéines. Donc ça, c'était mon scrambled tofu. Dîner, 670 calories. Je vous le dis assez souvent, mais en général, mon dîner, c'est mon repas le plus calorique, tout simplement parce que c'est le moment où j'ai le plus faim de la journée. Je suis beaucoup plus genre satisfaite quand je suis rassasiée le soir et quand je vais me coucher sans avoir faim. Parce que alors, se coucher avec la faim, genre pire truc du monde, vraiment. 85 g de glucides, 14 g de lipides et 43 g de protéines. Et puis mon petit dessert, parce que je ne vais jamais me coucher sans un dessert. Il me semble que j'ai oublié de vous filmer. Rien de ouf, c'est juste du yaourt Alpro avec des fruits rouges surgelés. Genre je kiffe. Mais du coup, il fait en tout 116 calories, 8 g de glucides, 6 g de gras, fat, lipides. Et 6 g de protéines, ce qui nous fait un total de 1789 calories, donc c'est légèrement en dessous de d'habitude, genre à 10 calories près, mais encore une fois, je suis même pas sûre d'être à la calorie près aujourd'hui, enfin voilà, pour que vous ayez une idée en tout cas. Là, je suis autour de 1750-1800 calories pour ma perte de gras du coup. À noter, j'insiste là-dessus, que je suis la plupart du temps en position statique, ok? Je bosse toute la journée devant mon ordi, assise, mais du coup, 198 g de glucides, 59 g de lipides et 110 g de protéines. Alors là, franchement, je suis un petit peu basse en glucides et un petit peu trop haute en protéines. Après, encore une fois, je ne fais pas à la calorie près, donc il y a des jours où ça varie, franchement. Je m'assure juste de rester autour de 1800 calories par jour. Voilà, il y a des jours où je peux être à 85 g de protéines et des jours où je suis un peu plus haute, du coup ça me permet de faire la balance entre les deux. Et pareil, les glucides, en général, je suis à beaucoup plus que 200 g, très honnêtement. Voilà. Dans tous les cas, je vous referai des vidéos au fur et à mesure de ma sèche, donc des body updates, etc. Voilà, je vais vous faire plein de journées dans mon assiette, dans tous les cas. Donc voilà, c'est tout. Au niveau de mes séances, parce que je sais qu'on va beaucoup me poser la question, je suis mon programme qui n'est pas encore sorti, vu que les salles en France sont fermées, mais ici elles sont ouvertes. Donc en ce moment, je suis mon programme Booty d'Enfer, mais version salle. Et j'ai trop hâte de vous sortir. Franchement, j'en suis de ouf, donc voilà, vous n'êtes pas prêtes, vraiment. Mais bref, je suis mon programme, tout se passe très bien. Mon alimentation, ça se passe très bien. Enfin voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, ça aide beaucoup la chaîne à se développer, à activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sors des vidéos, à vous abonner évidemment à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à rejoindre ma formation gratuite, tous les liens seront en barre d'infos. C'est une formation en vidéo, donc vous avez en tout 4 vidéos sur 4 jours. Le but de cette formation, c'est que je vous aide à atteindre vos objectifs. Voilà, vous avez vraiment tous mes meilleurs conseils, toutes les étapes à suivre pour que vous puissiez évoluer et voilà, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à vous inscrire et puis c'est tout. Je vous laisse, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !